Oh putain, tu en as un coup ton snipe. Ah, ça va être drôle. Ninja! Il a senti le ronco. Chouin! Ah, 7 HP! 7 HP! D'accord. J'approche de la création de la deuxième ville. Inch'Allah. Ouais, mais il y a un jaguar aztèque là où je veux la mettre du coup. Eh ben je te dis, moi je suis dans le caca pour proposer une deuxième ville, j'ai aucune idée de la mettre. J'ai plein Moi je sais, mais c'est bâtard, mais genre déjà il y a une... Je veux poser ma ville, il y a une case, et la case d'après c'est un campement barbare. Ouais. Et en plus là il y a les jaguars aztèques sur la case où je veux la placer, du coup je vais devoir attendre le tour prochain. Je te dis, en plus là au sud il y a une grosse zone marécageuse, il y a aucune ressource dedans. Classique quoi. À l'ouest, j'ai une chaîne de montagnes qui me bloque totalement. Oh putain. Non mais... Il y a trop de barbares, c'est la merde. Oh putain, des lanciers barbares. Oh putain. En vrai, là, c'est la merde, parce que genre, il a 3 unités de jaguar aztèque près de mon colon non défendu. Mais... Il va pas te déclarer la guerre, ce con-ci. Alors, il est loin de chez moi, tu vois. Mais je sais pas ce qu'il fait là. Bah... Il observe. Putain, bande de bâtards. Quoi? Non, mais c'est des... Les archers, là, ils sont entourés de... Je t'ai dit, ils sont entourés de... De marécages, ces bâtards. Je peux pas les approcher sans me rapprocher jusqu'en barbare et... Je crois que c'est... Tu gueulais pour la merveille. Non, j'avais même pas vu qu'elle était arrivée quand j'ai dit oh putain chez moi. Putain, je ne sais pas quoi construire. J'ai plus de thunes. J'ai aucune cité-état à côté de chez moi. J'ai découvert 3 cités-états et là du coup je m'implante vachement près d'une cité-état. Ce qui va être cool. Eh mais je t'ai dit, moi, partie de merde. Hein. Là je vais y aller en mode bourrin. Hein. Je sais que ça arrive à chaque partie, mais là je te préviens, ça va être l'armée. Hein. En vrai, moi aussi, puisque j'ai pris un bon départ économique. Ah non, moi je suis dans le caca économiquement, c'est juste que... Attends, va falloir que je trouve un nom pour ma deuxième ville maintenant. Putain, il a survécu ce fils de... Nique ta grand-maman de... Mais je te jure, c'est horrible, il lui reste un PV. Et le gars, il va pouvoir me niquer une ferme, pète les couilles. Au niveau récolte, produits manufacturés et PNB, je suis un sac. Mais un sac. Genre un sac de la merde ou un sac genre bien? On dit jamais un sac pour dire bien. On est combien? On est 12. Je suis dernier en population, dernier en récolte, 11e en alphabétisation. Ah putain, t'es loin niveau... 10e en soldat, 10e en territoire. Ah non, d'accord, t'es plus dans la merde que moi. Parce que alphabétisation... Non mais en vrai, c'est parce que alphabétisation, j'ai strictement rien fait. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. J'ai pas encore l'écriture. Ouf, carrément, alphabétisation, je suis de 2e. Population, je suis 2e. Récolte, par contre, je suis 10e. Territoire et soldat, je suis avant-dernier. Donc t'es le dernier, je suppose. Territoire et soldat? Ouais. Non, je crois que je suis avant-dernier. Bah non, je suis 11e. Non, territoire et soldat, je suis 10e. Ah d'accord. Donc t'es devant moi. Bah bien joué. Bah je viens de poser ma deuxième ville, donc oui. Ah, ouais, nique ta mère. Oui, la mienne, elle a été privée de bouffe. Je te dis, moi, en récolte, je suis dans la merde grave. Grave, grave merde. Mais oui, mais moi je me pose toujours la question, où est-ce que je vais mettre ma... Enfin, est-ce que j'ai... Oh merde, attends! C'est une civilisation, ça! Il y a les bordures d'une civilisation qui viennent de popper en bas de mon écran. Donc bah écoute, je pense que j'ai ma première cible. En vrai, je crois que j'ai une production énorme dans ma ville. Ah ouais. Je crois que je suis... Bah oui, je suis premier en produits manufacturés. Mais t'es qu'un enculé. Je suis 9e.
T'as le double de production que moi, t'es sérieux? Ah, des archers! Ça picote! Allez, pétez-leur la gueule. C'est ça. Et masse barbare au nord, tuez-moi par contre. Quoi? Eh, hey, y avait écrit victoire décisive! Putain! Ah, j'aime pas quand ils font ça! Il a écrit victoire décisive, au final il les bute pas, putain! Ah oh merde, je viens de penser là, le rendu quand il sera fini, il va activer une vidéo, je devrais faire un alt-tab. Surtout que ça va s'entendre dans l'enregistrement. Ça va peut-être faire bugger. En vrai en or quoi, t'es pas si bien que ça? Ouais, je suis à plus 3 seulement. Nique ta mère, je suis à plus 0. Ah t'es aussi... Ah ouais, ok. T'es marrant comme mec toi. J'avoue par contre niveau technologie t'es à la ramasse. Bah plus 9. T'as combien pour techno? J'ai le truc de frappe par dessus, du coup j'ai dû vérifier, je suis à plus 29. Mais au moins j'ai pas à avoir peur de toi en tant que puissance technologique pour l'instant. Une grande puissance de production, la grande puissance militaire arrive derrière. Ouais, ça se voit que t'as pas beaucoup joué en solo ça. Moi je me souviens, j'étais avec Nico sur Skype à ce moment-là, quand ils m'ont attaqué. Et genre je suis parti sur une envolée lyrique, tu vois. Genre Nico il était mort de rire parce que genre il y a une coalition qui m'a attaqué, il y a eu les Byzance et les Incas qui m'ont attaqué en même temps. Et genre ils ont réussi à me voler une ville. Ils sont arrivés aux portes de Berlin vu que j'avais Bismarck et j'étais là. Vous avez enclenché la machine de guerre allemande. Maintenant, observez le pouvoir de l'industrialisation et les chars sortir un par un des portes de Berlin. C'est un truc comme ça, tu vois. Et genre, c'était juste hilarant parce que Nico était mort de rire et moi je pompais des unités depuis Berlin, tu sais. Non, tu pompais tout court. Ta gueule. Mec, maintenant je suis à plus 8 de fois. Tu sais pourquoi? Bah moi aussi. Ouais, mais toi c'est parce que t'as... J'ai Stonehenge. T'as Stonehenge. Alors que moi, c'est juste à cause des caisses de Toundra. Ah! Pardon. Les caisses de Toundra? Oui. Tain, et d'où ils viennent, vrai, ces barbares? Pas longtemps, je vais avoir ma croyance de réforme. Hein. Carrément. Ah! Des barbares qui viennent de l'ouest maintenant. D'où vous venez? Putain. Mec, c'est une invasion! Pire que des insectes, quoi! Putain! J'ai seulement 4 citoyens dans ma capitale. Je suis vraiment... Ouais, j'avoue, t'es dans le caca. Et pourtant, t'as une production enculée, what the fuck. Bah ouais, mais en fait, c'est parce que j'ai beaucoup de cases de mines. Du coup, ça me donne genre... sur une case, j'ai 4 de production, tu vois. What the fuck? T'es pas censé en avoir 4, t'es censé en avoir 2 par mine. Ouais, mais là, c'est une mine qui est sur du marbre, en plus. Donc, Ah, d'accord. Et du coup, mais en bouffe, bah je suis... Un caca. Je suis dégueu. Non, non, la ville, tu peux la nommer quand tu veux. Non, non, la ville, la religion me va très bien. Sida. Mec. Je veux dire, putain. Ce mauvais goût. Le sida devient votre religion. C'est extrêmement drôle. Non, je vais faire un truc plus... Putain, je suis encore à moins de thunes. Ah. Quand le micro-management ne fonctionne pas. Oh putain, il y a une cité-état juste à côté d'un camp barbare. Peut-être que je vais devenir leur pote là en les aidant. Je suis à 264 de fois. Ça va, je suis à 41. Je suis à 264 et j'ai déjà eu une religion. Eh bah ça va. J'ai l'écriture. Eh bah allez fucking Louya. Je vais pouvoir discuter avec Moctezuma. Discuter. Eh putain, franchement, j'espère qu'il va te déclarer la guerre. Archer. Mon pire ennemi. Ça parce que j'ai 100 points de plus que le deuxième. Déjà t'en as environ 80. Après je dis ça, je dis rien. Déjà non, j'en ai 90 plutôt. Salut Samarkand, tu veux que je te fasse un camp barbare à proximité? Bah parfait, je vais pouvoir devenir ton pote. Samarkand, est-ce que t'es à distance pour faire une route commerciale? Tu serais pas un peu loin? Ah bah non, les bute pas. Cool, y en a un qui a encore envie, je vais pouvoir récolter la fame. Bon, ils venaient d'où les enculés qui venaient de l'ouest là? Les barbares qui venaient de l'ouest, ces petits cons. Ah. Salut Samarkand!
Tu as de l'ivoire, Samarcande, mais c'est tout ce que tu as. Bah j'espère que tu vas m'en passer, hein. Ah, j'ai peut-être devoir aller au sud, là. Il y a une civilisation au sud, elle sera beaucoup plus proche de Samarcande que moi. C'est bon, là, je suis en train de construire mes bibliothèques. Bientôt, la science sera à moi. Et bah, comme j'ai dit, Quentin, Inch'Allah, si le sida le veut... L'Éthiopie l'aura. Ah putain. Ah bah oui, bah évidemment. Évidemment qu'il y a un camp barbare qui a popé à 4 cases de ma capitale. Bah oui. Ça servira à... What? Ah, camp barbare? Non, je ne passe à moins 3 d'or. Ah, bon, c'est cool aussi. Bah pas du tout. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis en train de construire une route entre mes deux villes, ça coûte la peau du cul. Ah, putain, ça y est, t'as déjà deux villes, putain, ça me stresse. Ah, ça, c'est vraiment les Éthiopiens, hein. Ça fait pas les infrastructures, mais ça crée des petits villages comme ça. Trois tours, les deux villes sont connectées. Tu vas avoir ma thune, par contre. Va. Ouais. Je vais découvrir qui se trouve au sud de chez moi, là, parce qu'il y a un mec et il me faisait peur. Il me faisait peur. Non, je vais lui rouler dessus, tu vois, mais... Ah, mais en plus, fait chier, je suis pas une ville côtière. T'es une ville côtière, toi? Non. Non. Aucune de mes deux villes n'est côtière. Ah, ça me pète les... Je suis en plein milieu du Canada. Habituellement, j'aime bien créer le colosse, et là, je pourrais pas. Par contre, t'as disparu dans les points. Ah oui, non, je suis dans les tréfonds de l'enfer, là. Mais t'inquiète pas, j'ai l'impression que... Du son, Guy. Oh, non. Oh, putain, je suis tombé sur un... Sur le... ces enculés. D'accord. Ouais, il est horrible à jouer. Le son, Guy. Ouais. Tu l'as déjà joué? Je veux dire, horrible, non, de jouer contre. Ah ouais. Par contre, là, c'est bien gentil, mais je suis à moins 6 d'or. Ah, ça va, il est à moins 5, lui. Il a de la soie et du coton, ce con. Et en plus, c'est sa deuxième ville. Bah, putain. Ouah, Gao. Putain, mais en plus, elle est bien posée. Enfin, bien posée. Il est au milieu du désert, quand même. Non, mais ça me saoule, là. J'ai rien à produire avec ma capitale. Ça me saoule. Elle construit des merveilles, wesh. Ouais, mais c'est la seule merveille que je peux construire, c'est remettre terre cuite. Bah, construire la remettre terre cuite. Mais ça me saoule parce que j'ai déjà pas d'or et ça va me doubler mes unités militaires, du coup j'aurai encore moins d'or. Ça me saoule. Les ouvriers coûtent de l'or? Oui. Je vais en supprimer quelques-uns. Putain, mais l'Éthiopie du crime de guerre, quoi. vous avez un salaire? Bah ouais, bah bam. Exécution. Attends, c'était pas... Non, contre... je suis passé à moins 9. C'était pas contre Askia, justement, que j'avais fait la guerre d'enculé, là, sur l'autre partie avec Fabien. Celle où on était au même niveau de... Enfin, non. Celle où vous aviez pris prince et moi j'avais pris... Non, vous aviez pris seigneur et moi j'avais pris prince. Où, tu sais, t'avais Nabucodonosor, t'avais Nabucadnezar. Et Fabien, il avait Catherine de Russie et il s'est fait poutrer pendant toute la partie. Ah oui, et après toi tu m'as poutré à... À la bombe nucléaire. Ah, encore, je tenais à la fin. Oui, enfin, je t'ai poutré le tour avant que j'envoie une fusée vers Alpha Centauri, ça va. Une civilisation inconnue a développé sa religion, le sida. Ah bah oui. Oh putain, attends, il a combien de villes, ce mec? Je crois qu'il a 3 villes, mec. Il a 3 villes, le con. Oh putain, il a 3 villes. Oh putain. Pourquoi? C'est chelou, pourtant, j'ai appuyé sur... personnalité aléatoire, hein. Je veux dire, je suis pas fou. Bah oui. Et pourtant, à chaque fois, ce mec, c'est toujours un putain d'expansionniste avec plein de villes. Ah, du coup, c'est toi l'armée de terre cuite? Non, parce que j'ai franchement rien à produire, en fait. Ma production est trop haute. Ça va, monsieur Slapette. Et je suis deuxième en produit manufacturé. Je suis toujours neuvième. Wouah! Ma population, elle a drop maintenant que j'ai plus de... maintenant que j'arrive pas à faire de nouvelles villes. Ma population, elle a fait... Par contre, ça y est, je suis le premier en science, c'est cool. Non, moi je suis le dernier. Par contre, niveau thunes... Mais c'est vraiment ça, c'est parce que j'ai vraiment pas beaucoup de villes, quoi. Bah, thunes, je viens de passer à moins 7, mec, quand même.
Inch'Allah. Et toi, le match... non, c'est je suis à plus 3 là, mais c'est parce que j'ai mis une unité en garnison. Toi, le Machu Picchu, il va te faire du bien. Hein. Ouais, et surtout que je ne remarquais que ma route commerciale était pétée depuis 3 tours. Putain, mais en plus, t'as une route commerciale, toi. Moi, j'en ai pas encore, mon gars. J'ai même pas, encore l'équitation, mec. Bah, moi non plus. Je fais les guildes, mais j'ai pas l'équitation. Tu fais les guildes, putain. Ah, mais machin. Est-ce que t'as tout l'air classique? Enfin, toute l'antiquité? Non, j'ai pas la navigation à voile. Et t'as quoi dans l'air classique? Beaucoup de choses. Non, beaucoup tu de peux choses. Me dire vite fait, comme ça je compare, parce que j'ai l'impression d'être... Je suis en retard. Mais... J'ai philo, drame, maths, monnaie, travail du fer. T'as quoi, toi? Maths et construction. Et Quentin, je vais t'apprendre que je vais avoir une religion. Elle sera là dans environ 4 tours, 5 tours. C'est bien, la mienne, elle est déjà au moment où j'envoie des gens dans les autres villes faire « la Bible du Sida ». Pourquoi est-ce que tes Éthiopiens, ils ont pris un accent Shintok quand tu les as envoyés prêcher le Sida? Pense à la phrase que je viens de dire là, tu vois. Pourquoi tes Éthiopiens ont pris un accent chinois quand ils sont allés prêcher le Sida? C'est un moment, j'ai plus rien à produire. Mais bah ça va, on a compris. J'ai déjà 5 merveilles. C'est pas... Quoi? T'as fait Stonehenge, t'as fait le mausolée d'Halicarnasse. Ouais. Et après? J'ai fait le temple d'Artémis. Ah, c'était toi? Ouais, et j'ai fait les pyramides. T'as fait les pyramides? Mais tu m'étonnes que t'aies passé à moins 7 de thunes, on dirait Fabien. Ça fait quoi déjà les pyramides? Mais ça fait spawner 3 ouvriers. Ouais, mais j'ai... Non, 2, et en plus je les ai supprimés après. Les pyramides, elles t'ont servi à quoi les pyramides? T'avais juste vraiment rien à produire. Non, mais je te dis, à un moment j'avais plus rien à produire. Je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus long, les pyramides? La vitesse de construction des aménagements augmente de 25%. Et t'as des points d'ingénieur illustre, ok. Fair enough. Voilà, et un ingénieur illustre, je vais l'avoir dans pas trop longtemps du coup. Ah ouais, du coup moi j'ai pas de points d'ingénieur illustre, c'est vrai. Ouais, et je viens de prendre un savant illustre en plus. Donc ça c'est cool. Tu viens de prendre un savant illustre? J'ai fini la liberté. Eh bah putain, monsieur se met bien. Non. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai oublié de cancel l'ouvrier que j'étais en train de créer. Ah, parce que du coup tu tournes en faisant en produisant de la merde. Bah oui. Ça va, quand t'auras les guildes, tu pourras convertir ta production en richesse. Non mais déjà, faudrait que j'ai la monnaie, et comme ça je pourrais reproduire des trucs sympas. Mais tu sais, en plus je fais même pas l'hôtel parce que j'en ai pas besoin. Mais ça va, on a compris, nique ta race. Fais-le en plus, t'auras plus de foi. Ouais, mais il coûte un de thune. Oui, mais... c'est pas le sida que t'aurais dû créer, c'est le judaïsme. Sérieux. Je suis pas tombé sur Israël. Y'avait pas Israël dans ce jeu. C'est pas toi l'hindouisme? Bah non, c'est pas moi. Bah je suis indien, mais je l'ai pas encore créé ma religion. Ils t'ont piqué ta religion. Attends, les éléphants de guerre... Je crois que t'as fait cette merde. Les éléphants de guerre, c'est plus utile à distance que les catapultes. The fuck. Allez, la monnaie... Non. J'ai oublié de cancel ma catapulte. Ça va. Eh, le tour est pas encore fini. Tu peux, ah oui. Tu peux repartir. Ah merci. T'inquiète. Oh, j'ai cru que j'allais encore dans la merde. Non. Bon, salut, machin illustre. Ah, du coup, je vais produire Petra. Mais t'as pas de désert. Si. Je crois que ceci est un désert. Oui, c'est un désert dans ma deuxième ville. Attends. Ta première ville, elle est dans la toundra et dans la neige? Non, dans la toundra et dans la plaine, au bord de la neige, juste avant. En fait, la toundra fait genre 4 cases de long. Et toi, ta deuxième ville, t'as réussi à la caler dans un désert? Elle est entre la limite plaine désert. Mais je te dis, le Canada, c'est n'importe quoi. C'est toi qui as pris le bonus des pourcentages de production en plus par rapport. Ah, nique ta race, j'aurais jamais dû vous en parler.
J'aurais jamais dû vous en parler. Non, mais en vrai, cette fois, c'est parce que j'ai lu, je m'en souvenais pas. Bouya! Salut Quentin! Je suis de retour au top niveau. Ouais, enfin, t'es quand même 80 points derrière moi. Eh, mais je vais te taper. Les ressources d'or et d'argent exploitées par la vigne donnent plus de d'or. T'as de l'or et de l'argent? Alléluia. J'ai 3 ressources d'argent dans ma capitale. Mais t'es vraiment qu'un enculé! Mais c'est incroyable! Putain! Mais cette techa! Putain, c'est incroyable! Et j'en ai un quatrième que je peux pas encore exploiter parce qu'il est trop loin. La vache! Et moi, je suis né autour de moi, j'ai quoi? Ah bah, t'as de la teinture, t'as du marbre, puis t'as un peu de cervidé, connard! Par contre, il a déjà 3 villes, le bâtard. Ah ouais, mais Aska aussi, hein. Aska, il a 3 villes, l'enculé, hein. Je te dis, moi, je me sens menacé, hein. Si t'en as qu'une, oui, tu devrais. Je lui dis que je lui... Après, Moctezuma, moi, c'est le dernier, donc... Ouais, je lui déclarais une guerre punitive, il va pas comprendre. C'est bon, ma deuxième ville a officiellement plus de population que ma première. Putain, mais ta première c'est vraiment de la merde en fait. Non mais la deuxième j'ai surtout foutu dans la plaine, donc il y a plein de champs. Et l'autre elle est dans la toundra, genre full toundra. J'ai découvert l'équitation. En 25 avant Jésus-Christ, on a enfin appris à choper des chevaux.